Pas d'inspiration, pas d'intro. On touche au but, on y arrive. Quart de finale, les derniers quarts de finale. Le vainqueur emportera un tableau retraçant son parcours offert par Ayam Kamal Hill, le finaliste du Maté offert par Matéador officiel, et un abonné remportera des chaussettes MC Protec. Premier duel du jour, Clémence Garcia, qui a été extrêmement forte au tour suivant, affronte Mathieu Pabernès. On y va. Première question. Je veux l'âge précis. Quel âge a Kylian Mbappé? 21. Oui, 1-0 pour Clémence. Mathieu, je crois que t'avais pris du Red Bull et tout, là. Faut y aller, hein. Parce que tu veux, par rapport à son année, c'est pour ça. Quelle merveille du monde se trouve au Pérou? Rapidement. Non, je sais pas. J'ai pas dire une connerie. Trop tard. On passe à la question suivante. C'est quoi? C'était le Machu Picchu. À 2 ans près, en quelle année a été créée la fête de la musique? 1975. Non, Mathieu, rapidement. 1980. Gagné, c'était 82. Ah ouais, putain, c'est vrai. Un partout. Bien joué, Mathieu. Je te sens un peu mou quand même, hein. Ah non, j'y suis concentré. Quatrième question, un partout. De quel pays Quito est-elle la capitale? Quito, Équateur. Oui, 2-1 pour Clémence. Ça va vite. De quelle nationalité est le géant de l'alimentation Nestlé? Américaine? Non, Mathieu. Suisse. De partout. Putain, belle. Il y a que les gens du Sud qui disent belle, hein. Ça me rend fou en plus. Sixième question. De quel pays vient l'haltérophilie? Grèce. Oui, 3-2 pour Mathieu. Bravo. Tranquillement, sereinement, il revient et il passe devant. Septième question. Combien d'épisodes compte la saga Star Wars? 6. Non. 8. Non plus. 9 épisodes. Ah ouais, c'est vrai. Huitième question. Où le général de Gaulle prononce-t-il son fameux « Je vous ai compris » ? À Londres. Non. Il faut quoi, la ville ? Oui. Paris ? Non, Alger. Ah merde. Toujours 3-2 pour Mathieu. On attaque la neuvième question. Qui est la partenaire de Jean Dujardin dans The Artist ? Ouf, je vais pas. Tu l'as pas non plus, Mathieu ? Non. C'était Bérénice Bejo. Putain. Tu l'avais ? Il l'avait. Une dixième question. Des fois, tu veux pas dire de conneries. Du coup, tu veux pas passer pour un con, tu sais pas. Là, t'as une réponse possible. Surtout que Clément ça l'avait pas, donc faut tenter. Hein. Dixième question. Qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? Ah putain. J.K. Rowling, non? Non, ça c'est Harry Potter. Clémence? Putain, je le sais. Rapidement. Ah. C'est perdu, on passe à la question suivante. C'était Tolkien. Ah ouais. 3-2 pour Mathieu, Clémence. Il faut revenir. Avec la 11e question. Qui est Xi Jinping? Président de la Corée. Non, le président de la Chine. Putain. Dommage. 3-2 toujours, il reste 4 questions. Qui a chanté en 2007 Belle Demoiselle? Christophe Maé. 3 partout. T'es pas mal l'imitation. Justement, j'étais proche. 13e question, 3 partout. Quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open en 2006? Personne. Gasquet. Qui ça? Gasquet. Non. Il joue encore à Gasquet.
Je sais pas. André Agassi. Tu connais pas André Agassi? J'aurais pas su. Deux questions, trois partout. C'est beau. Quel était le titre de noblesse de Lafayette? Non, c'était un marquis. Tout se joue sur cette question qui est une question de calcul mental. Ah, c'est moi, j'ai perdu alors. Concentration. 15e question, 3 partout, une place en demi-finale du grand quiz du confinement. Combien font 8 x 6? 56. Non, Clémence, rapidement. Putain, je sais pas. Tu ne l'as pas? Non. C'était 48. Je suis très très nulle en table de multiplication. Il faut une calculatrice. 3 partout toujours, c'est extrêmement serré. Question en or. Je la choisis bien. Triche pas, hein. Non, 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 mais je... En fait, je prends les... Là, je prends les questions du prochain quiz. Dans quelle ville se trouve la statue de la petite sirène? Personne? C'était Copenhague. Nouvelle question en or. Question de rapidité. Quel sport pratique Harry Potter? Oui, c'est gagné pour Mathieu. Non, c'est pas gagné pour Mathieu. C'est gagné pour Mathieu. 4 4-3. Mathieu l'a dit avec de l'avance. J'ai moi... pas le droit de perdre sur une question Harry Potter en plus. Bah, c'est terrible. C'est terrible pour toi et c'est comme ça puisque je l'ai. Vidéo. Moi, je l'ai en avance. Bah, tu verras. C'est mon téléphone qui enregistre. C'est terrible. Terrible désaveu pour Clémence qui. J'accepte pas la défaite là. Qui a perdu en quart de finale. Sur la question Harry Potter, terrible. Ouais, Mathieu, félicitations, on se retrouve en demi-finale.